Et salut à tous, c'est Mr. Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de Mario vs Donkey Kong. Vous voyez que j'ai fait pas mal de choses. Tout simplement parce que j'ai déjà essayé de faire la capture en fait. Et ça a totalement merdé. Enfin sixième, ouais je dis sixième mais on est à la cinquième en fait. Et ça a totalement merdé. Enfin, j'ai abandonné, vous voyez, parce que le Donkey Kong est juste imbattable. Donc, on va reprendre où on s'est arrêté avec Tambourine. Et j'ai trouvé la solution. Bah oui, sinon j'aurais pas pu avancer plus. Et la solution, en fait, est toute bête. C'est exactement ce qu'on a fait avec Tam. Sauf que... comment dire, les mini Mario, en fait, peuvent faire quelque chose que j'ignorais, ça commence bien. Je me suis fait tuer par le tombe alors que... Enfin, je vois pas comment je me suis fait tuer. Bon, allez, hop, on se concentre. Donc, je disais, oui, la solution est toute simple. Il suffit de faire ça. Enfin, de refaire exactement ce qu'on a fait. Tout simplement. Ici, venez là, voilà, comme ça, je peux activer ça. Non, mais faites chier, là. Voilà, merci. Donc là, vous voyez, ça s'allume ici. Donc, je fais passer les mini-Mario. Hop, là je fais ça, et hop, allez, on se grouille. Vite les mini-Mario, vite, 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 vite. Allez, hop. Allez, on monte. Voilà, c'est bien, ils sont tous montés. Que je me souvienne. Donc, moi, je dois monter. Et je dois essayer de faire... descendre les mini-Mario. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Faire ça, voilà. Voilà, on va prendre ça. Hop. Voilà, hop, ils prennent le Y. Maintenant, on peut revenir. Allez, les mini-Mario, montez, 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 montez. Alors, je vais enlever celui-là. Et hop. Regardez, voilà, les mini-Mario peuvent sauter. C'est un truc que je savais pas. Je savais pas qu'ils pouvaient sauter. On s'est fait avoir comme des bleus en fait avec Tam la dernière fois. Voilà, ça c'est fait. Donc ça a été assez vite. Et je vais essayer de combler mon retard de vidéo en vous faisant la dernière vidéo, je pense. Donc alors, ce Donkey Kong là est super chaud aussi. Il a des boutons. Alors, quand on chope les mascasses, et ben. Il se transforme en fantôme selon la couleur. Donc vous avez parlé exemple, le bleu est redevenu normal, donc les deux autres sont en fantôme. Maintenant le rouge. Et ce qui est bien... Ah merde. Je vais dire, ce qui est bien, c'est que dès qu'on... Mais non, là c'est de la triche, hein, Donkey. Alors dès qu'on en chope un, voilà, il va changer de couleur. Donc il va prendre le jaune. On va se dépêcher d'aller là. Voilà, comme ça, je peux tuer le... Enfin, le mascasse rouge. Enfin, le... Enfin, vous avez compris, hein. Le... En fait, le... Purée. Le... Putain. Pardon pour le gros mot. Voilà. Hop, quand j'en tiens un, le reste... Enfin, le bouton redevient normal. Pour celui qui... Enfin, le mascasse reste normal tant que je l'ai dans la main, en fait. Ouh, putain, je me suis embrouillé, mais en même temps, je suis concentré. Excusez-moi. Hein. Voilà, c'est bien, appuie sur le rouge. Bien sûr, il appuie sur le jaune. Donc du coup... Ok, c'est le rouge. Ah non, hé, hey, donc hey, tu me fais... Hein, tu me les brises. Hop, le rouge, ok. Tiens, comme ça, je vais pouvoir t'enchaîner. Là, il va appuyer sur le rouge. Oh, je l'avais. Oh, je l'avais. J'ai bougé. J'aurais peut-être pas dû. Bon, bah, on recommence avec une vie. Hop, on va essayer de se dépêcher ce coup-ci. Ils deviennent costauds, hein, les boss. Voilà, je peux l'enchaîner. Ah si, je me suis fait avoir. Ah non, hé, au moment où je me relève, ça c'est pas du jeu. Ok, le bleu.
Ouais, mais j'aimerais bien, moi, c'est un autre. Voilà, merci. Parce que le bleu est un peu haut quand même. Ok, jaune. J'attends qu'il fasse le bleu. Tiens. Hop, rouge. Bien sûr, il se remet sur la plaque. Purée de fantôme. Je les aime pas, les masques à zbou, je les aime pas du tout. Je les appelle les masques à zbou, parce qu'il faut vachement penser à des bouts, en fait. Et voilà, je l'ai battu. Et voilà, ça c'est fait. Super Mario! Yahoo! Bon, ça c'est fait. Donc maintenant, on continue dans le dernier monde. Enfin, l'avant-dernier monde, pardon. Qu'on va essayer de bloquer, enfin de finir aujourd'hui. Et il est vraiment chaud ce monde. C'est tout un système de pistons, c'est vraiment dur. Je vais essayer de le faire le plus vite possible vu que j'ai déjà réussi à le faire une fois. Mais je vous assure qu'il est horrible ce monde. Rien que ce passage là, je sais plus combien de vies j'ai perdu pour ce passage quoi. Alors oui, là la technique en fait c'est de choper la clé. Hop, on prend la clé, faut la mettre sur le bout du tapis. En sautant c'est mieux. Voilà. Et nous on doit la suivre le plus vite possible. Voilà. Purée. J'aurais dû la choper avant. Game over, voilà, ça commence bien. Moi je récupère 5 vies, c'est déjà ça. C'est déjà ça, 5 vies, normalement je devrais réussir à finir le monde avec 5 vies. Allez. Alors je m'excuse aussi de... du temps que j'ai pas passé à mettre de vidéo, mais comme j'ai expliqué dans ma vidéo hors série consacrée à Kyotokei et Too Fast for Gnome, je suis en plein chantier, j'ai un déménagement, j'ai bref, je suis pas mal occupé. Le déménagement s'est bien passé, tout est fini, etc. C'est pour ça que je reprends les vidéos où je les avais laissées. On va essayer de finir le plus vite possible Mario vs Donkey Kong Overkill, que j'ai un peu laissé à l'abandon. Et bien sûr, Zelda Twilight Princess, qui est une série qui me tient beaucoup à cœur. Et voilà en fait. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Parce que en fait j'aimerais bien finir le plus vite possible ces vidéos. Parce que j'en ai une nouvelle en tête. J'ai une nouvelle série qui émerge. Et à mon avis, ça devrait plaire à certaines personnes. Que je connais très. Enfin très bien. Que je connais. Et voilà. Tout simplement. Bon, est-ce que je vais réussir à le choper ce truc là? Parce que. Hop, voilà. Allez, un mini Mario. Allez, bonus. Bon, je vais essayer de choper le 3 vies. Ce serait bien. J'espère. Non, bon, merde, Donkey Kong. Voilà, ça c'est fait. Bon. Niveau 2. Alors ça, c'est une technique que je viens de trouver, enfin, que le tuto m'a expliqué, et que je ne savais pas. C'est que quand on chope un marteau, eh ben, on peut le récupérer en passant d'une échelle à une autre. Vous allez voir. Hop. C'est super pratique. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Alors, est-ce que j'essaie de passer comme ça? Ouais. Voilà. Hop. On va choper le marteau. Tiens. Tiens. Je crois qu'il y a d'autres masques quelque part. Ouais, bah gagné. Oh non! Oh le marteau. Oh le marteau qui m'a lâché. C'est vache ça. Et du coup, il me reste 4 vies. Pas bien ça.
Allez, on se dépêche. Alors oui, désolé, si vous entendez des voitures, si vous entendez pas mal de choses, c'est tout simplement que j'ai les fenêtres grandes ouvertes, parce que je crève de chaud, et mon ordinateur aussi. Il fait un bruit pas possible. C'est assez... chiant. Voilà, on va le dire comme ça. Hop, je t'ai baisé. Hop, la clé. Tac. Et hop, ça c'est fait. Alors ce passage là est super chiant. Vous allez comprendre. Alors déjà, premièrement, je ne vais pas m'occuper du cadeau. Et non. Je vais d'abord m'occuper de cet interrupteur. Voilà, maintenant, hop. Maintenant que ça c'est fait, je vais devoir prendre la queue du singe et aller sur l'interrupteur qui est là-bas. Vous allez me dire, pourquoi mettre l'interrupteur jaune alors qu'il y avait le rouge juste avant? Bien, tout simplement pour faire descendre le singe. Et c'est pas fini. Parce que maintenant, si vous avez compris, il faut que je fasse descendre le singe encore une fois. Donc, l'interrupteur jaune. Voilà. Donc là, je vais attendre qu'il soit sur les plaques rouges. Et hop là! Voilà. Comme ça, maintenant, je peux réactiver ça. Et on n'a plus qu'à attendre. Hop. Allez, allez. Voilà, merci. Et hop. Bon, alors est-ce que cette fois on va avoir des vies en bonus? Ce serait bien. J'aimerais bien avoir des vies en bonus. Genre le 3 vies, ce serait bien. Arrêtez la flèche pour gagner votre prix. Yes! Ça, c'est bon, ça. Alors, les Bob Bombes. Ça va être aussi un passage assez chiant. Oh oui, surtout ça. Alors là, ça, c'est carnaval. Quand je dis carnaval, je vous jure que je n'exagère pas. Et merde. Bon, hop, la clé. Allez, vite. Merci. Alors, on lâche la clé. Hop, on la prend. Il faut venir ici. Hop. Tac. Je vous jure, là, c'est compliqué. Hein. Je sais pas comment j'ai fait la dernière fois pour réussir ça, mais... Oui, parce que là, pour revenir en arrière, il faut que je... Non, c'est mort. Parce que si je fais ça, bah la clé revient. Voilà. Tout simplement. Purée, je me souviens même plus comment j'avais fait. Si, je crois que c'est bon, je me souviens. Mais si c'est ça, c'est vraiment OK Corral, quoi. C'est... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Voilà, bah vous avez compris ce qu'il fallait que je fasse, mais je me suis loupé. Complètement loupé. Donc en gros, il faut que je mette la clé ici. Sur le... Oui, 30 secondes, bah je suis au courant. Mais merde. Bon, voilà, quitté. Ça, je perds pas de vie en fait. Oui, je sais, c'est une technique de lâche, mais. Vous voyez, je peux pas faire autrement. C'est super chaud comme passage. Mais un truc de malade mental. Même Chuck Norris n'y arriverait pas. C'est pour vous dire. Même Chuck Norris n'arriverait pas à ce niveau. Hop. Ça, c'est bon. En fait, ce qu'il faut que. Eh merde, je me suis encore planté.
Ce qu'il faut que je fasse en fait, c'est sauter et au dernier moment lâcher la clé sur le bord de la plaque. Ouais, mais si je le fais sur le bord, ça va pas le faire non plus. Arf! Bon, hop. Voilà. Et normalement. Voilà, vous avez compris, hein. Faut vraiment que je me grouille. Là, j'ai eu un petit temps d'arrêt, c'est parce que j'étais en train de réfléchir. Et j'aurais pas dû. J'aurais dû foncer dans le tas, carrément. Hop, parce que 12 secondes, ça passe extrêmement vite. Allez, 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 allez. Et merde. Allez, 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 on est déjà à la moitié du chemin, c'est déjà ça. Alors, hop. Et là, je me grouille. Vite. Yes! Et ce n'est que la première partie du tableau, hein. La deuxième est un peu plus costaud. Dites bonjour à mes copains Bob Bomb. Parce que dès qu'ils me voient, ils peutent. Voilà. Alors on peut bien sûr leur sauter dessus. Histoire de les prendre et de péter les murs. Je crois que j'ai lancé trop loin. Ouais. Fallait que je le rapproche. Voilà, ici, ça me paraît bien pour le lancer. Nickel. Bon, alors là, je me grouille. Oui, là, faut que je prenne un autre bob-bomb. Ouais, pas assez. Hop là. Allez, 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 allez. Tiens, allez, pute. Et il m'en manque encore un. Et je sais pas si je l'aurai à temps. Ok. Donc, hop. Donc là, vous voyez, il y a un autre truc ici. Sauf que là, je vais utiliser ce bob-bomb. Ce canon à bob-bomb-ci. Pour passer, alors je vais juste récupérer le cadeau. Hop. Ça c'est bon. Encore un. Et je pourrais réactiver l'interrupteur rouge. Pour bien sûr pouvoir passer chercher le dernier cadeau. Hop, normal, je vais attendre qu'il peut celui-là. Voilà. Hop, interrupteur bleu. Et on a fini. Enfin, faut juste que je me plante pas. Voilà, ici. Et hop là. Bon, allez, un bonus. Est-ce qu'on va encore avoir des vies? Ce serait bien. Deux, ce serait bien. Si c'est les mains, ouais, non, bah j'ai pas de bol. Faut que je garde le jaune et le bleu, si je dis pas de bêtises. Ah merde, j'aurais pas dû le changer. Bon, bah le bleu, une chance sur deux. Voilà, zéro. Et merde. Allez, niveau 4. Alors là, c'est chauve-souris, je vous jure que j'en ai bavé. Un truc de malade. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a ces chauves-souris là. Je sais rien du tout. Les plateformes changent avec les interrupteurs aussi. Ce qui est pas chiant du tout non plus. En fait, la clé, j'en ai pas besoin. Voilà, ce qu'elles font les chauves-souris, c'est ça. Elles m'étranglent et elles me font tomber. Ce qui me fait perdre un temps mais précieux. Parce que... oula. Hop.
Eh zut, pourquoi tu t'es pas accroché à la corde, espèce d'Italien de mes deux? Je n'ai rien contre les Italiens, je suis moi-même italien. Enfin, d'origine. Non, ça j'ai dit, j'en voulais pas. Hop. Ah, sympa ça. Allez, le plombier. Hop. Non mais... Tu le fais exprès? Tu le fais exprès? C'est pas possible. Est-ce que je vais réussir à passer ce tableau? Ouais, mais si je fais pas ça avant, ça va pas le faire. Allez, hop, monte. Hop. Je vais me faire une chauve-souris, voilà, c'est ce que j'allais... Je les aime vraiment pas, ces chauves-souris. Hop là, et... Je t'ai eu. Et hop. Ah non. Non, non, normalement je te saute dessus. Mais purée. Pourquoi tu t'accroches pas? Moi tout ce que je te demande c'est de t'accrocher. C'est quoi ce fail là? Je suis mode fail. Enfin, fail mode enclenché là, c'est. Voilà, hop. Allez, on se grouille. Voilà, merci. Hop. Alors, une plateforme là. La plateforme qui est ici. Et là, ça va être tout simple maintenant. Ça va être ça. Ça. Comme ça, je prends la clé. Hop. Et après, bah, il n'y a plus qu'à remonter. Et on a fini. Ah! Mais pourquoi j'ai laissé tomber? Non mais. Pourquoi il a pas sauté? Hop, voilà. Ah non mais. C'est la soirée, hein. Ouh. Alors, passage avec des canons. Alors ce qui est bien, c'est que comme ça, on va un poil plus vite quand même. Dire que j'allais aller récupérer la vie. Hop, je suis resté là. Je suis bien planqué là. Ouais, mais je vais perdre du temps. Je vais perdre un temps précieux. Voilà, hop. Allez, tire ton canon. Enfin, ton boulet. Comment ça se fait qu'il me manque un cadeau? Il me manque un cadeau, il doit être par là. Il est obligatoirement de par là, de toute façon. Alors, hop. Oh, on va se calmer. Alors, le mini Mario ici, et le cadeau est là-bas. Non, non, non. Heureusement que je me suis pas pris un boulet. Non, je t'aurais tué, saleté de chauve-souris. Mais oh purée! Vous voyez pourquoi je les aime pas, ces chauves-souris? Autant, ce sont des petites bestioles qui me dérangent pas outre mesure, irréelles. Mais dans les jeux, je déteste les chauves-souris. Déjà parce qu'elles sont pas belles, elles sont pas bien faites généralement. Et là, je vous ai grugé. Et hop là, dans ta tête la chauve-souris. Batman, ta-da-da. Allez, bonus. 3 vies, s'il vous plaît, 3 vies. Oui, alors j'ai une chance d'avoir le 3 vies. Yes!
Allez, on continue les festivités. Alors là, si je me souviens bien, je vais en chier aussi un max. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, hop. Donc on passe ici. On continue tout droit, on s'en fiche. On passe par là. Hop, tac, tac. Ça, c'est bon. Tac. Hop, hop, hop. Alors là, ici, si je me souviens bien... faut faire un truc de malade mental. Non, c'est pas ça. Faut vraiment faire un truc de barjo pour passer ici. Alors déjà, je me suis fail. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Vous savez quoi, on va recommencer le niveau. Non, mais c'est vraiment là, c'est le monde. On sent qu'on approche de la fin. C'est horrible comment c'est dur. Il faut être rapide, faut avoir de la. Enfin, faut réfléchir à tous les mouvements qu'on va faire, faut anticiper. Si on meurt pas au moins une fois sur une phase de jeu comme ça, c'est que soit on est un extraterrestre, soit. Voilà. Moi je trouve ça juste impossible de faire ça. Yeah, j'ai réussi. Alors, vite. Hop. Hop. Merde, je me suis gouré. Non, fallait que je repasse par là, voilà. Fallait que je passe ici, comme ça j'aurais chopé le truc. Ouais, non, mais tu passes là, merci, t'es gentil. Hop. Donc là. Tac. Tac. Hop. Hop. Pff, allez. Grouille-toi. Allez, allez, allez. Et merde. Bon, ça va, je suis pas loin, mais... Oh purée, je dois recommencer encore. Et une voiture qui passe, une. Je vous jure, c'est juste horrible. Je sais même plus comment on passe. Je le savais, hein, c'est ça le pire. Vu que je l'ai fini. Ça devait être un gros coup de bol à mon avis. Je vois plus du tout comment j'ai pu faire. Je sais qu'il y a un truc avec les planches. Il y a un truc comme ça, faut bloquer la clé. Bloquer la clé ici, ça j'en suis sûr et certain. À moins que ce soit de la balancer. Ah, c'est peut-être plus plausible. Ouais, on va essayer. Hop. Merde. Oh, et purée, en plus je meurs. Oh, et moi qui voulais pas perdre de vie, ben, c'est raté. Je crois que j'ai trouvé. En fait, c'est tout con. C'est tout con, mais il faut y penser. Vous allez voir. Hop. Tac. En fait, le truc, c'est de l'envoyer sur la plaque là-bas. Et je me suis encore loupé. Mais comme ça, on enclenche l'interrupteur. Et on va rechercher la clé qui est là. Et après, on peut monter. Tout bêtement. Ah, il y a eu passage ce soir. Hein. Allez. Il reste... ouais, ça va, il reste plus d'une minute. C'est jouable. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est sauter ici. Comme ça, je suis tranquille. Hop. On va changer la polarité et remonter chercher la clé. Voilà, bingo. C'était pas une partie de plaisir. Bon, allez, maintenant. Le passage chaud. Enfin, chaud. Hop. Tadam. Alors, je vais juste me baisser un peu.
histoire de pas me louper. Choper la queue du chimpanzé. Hop. Merci taxi. Alors maintenant. Alors je vais passer comme ça. Comme ça je peux directement lui casser la tronche. Ça c'est bien. Bon alors hop. Alors je récupère le cadeau. On va essayer de retomber là, voilà, nickel. Alors là ça va être un passage coton. Surtout pour moi. Qui adore ce genre de plateforme. Je suis servi. Voilà. Allez hop, c'est fini là. On rigole plus. Et hop là. Non, j'en suis où? D'accord. Bah encore un niveau avant les mini Mario. Et on aura sûrement Donkey Kong à la fin. Et c'est le Donkey Kong le plus dur que je n'ai jamais affronté. Merde, j'ai pas vu les coups d'heure. J'étais pas en train de regarder. J'ai pas fait gaffe. D'accord. Je sais pas du tout. Donc je vais rien toucher. On verra bien. Eh bah quand même, j'ai du bol, hein. Parce que j'ai même pas regardé. Je vous assure. Alors. Ah oui, d'accord. Ça, je me souviens. Les bob-bombes agissent comme des clés. Quand je dis qu'ils agissent comme des clés, j'ai eu un freeze. Quand je dis qu'ils agissent comme des clés, ça veut dire qu'on peut les balancer en haut. Dès qu'on les porte, on peut les balancer en haut. Comme une clé. Et ça, ça va être vachement pratique. Surtout ici. Voilà. Hop, hop. Et zut. Je me suis fail. En fait, j'aurais dû attendre que la plaque soit revenue. Parce que j'ai voulu aller trop vite. En plus, il est pas compliqué celui-là. Il suffit juste d'avoir le coup de main, en fait. Hop, faut bien se laisser glisser ici. Sauter là. Hop. Du coup, je vais essayer de rechoper le cadeau, hein. Surtout qu'il est pas facile à avoir. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai lâché. J'ai appuyé sur B. Ah, méchant. Pas content, moi. Je sais même pas ça fait combien de temps que je tourne. J'ai pas compté. Mais comme c'est un épisode pour entre guillemets, pour fêter mon retour, je le fais un peu plus long exprès. Bien sûr. D'accord. Là, voilà. Hop là, yes. Alors maintenant, il faut que j'attende que la plaque soit revenue. Voilà, comme ça je peux sauter dessus. Hop, tac, tac. Maintenant, on va tomber là. Comme ça, on peut choper ça. Hop. Donc là maintenant on est obligé de se... Enfin d'attendre la plaque, hein, bien sûr. Hop. La clé. Et ce qui est pratique avec ces plaques là, c'est que regardez. Hop, on descend tout en douceur. Donc j'ai pas besoin de me refaire le chemin inverse. Je reviens simplement au début. C'est beaucoup plus simple. Voilà, ça c'est fait. Alors, il me manque un cadeau. Where is it? Alors là, il y a une vie, on va essayer de la choper. Oh, je les aime pas les bob-bombes. Surtout quand ils sont à ce niveau-là. Oui, j'ai les trois en même temps. Voilà. Alors, maintenant, il faut que j'en place un ici. Voilà, maintenant je peux passer. Donc normalement... ok.
Ah oui, je me souviens. C'est bon. Alors. L'interrupteur bleu. Ok, ça c'est bon, je suis passé. Donc maintenant, on va récupérer un bob-bombe. Et c'est ce que je vous expliquais, le fait de pouvoir les mettre en hauteur. Hop. Et fini. Ah, je crois qu'on a un bon score là. Yeah. Bon bah, mieux que ma première tentative, écoutez. Hein. Alors, devis, hein, les vis ou pas? C'était bleu, hein. Les devis rouges c'était donké. C'est comme ça. Oui, je suis sûr au moins d'avoir une vie. Donc là, je vais toucher à rien, on verra bien. Si j'ai de la... J'allais dire si j'ai de la chance ou pas, bah non. Ah, désolé, je buvais un petit coup. Il fait soif. Alors, les mini Mario, eh ben, c'est parti. Là, ça va être coton aussi, hein. Donc là, vous avez compris, va falloir jouer avec les bob-bombes. Hop. Ça, moi, je passe en haut. Quoi? Il y a des bob-bombes qui... Il y a des mini-Mario qui sont là? Ah, c'est pas cool, ça. Allez, hop. Alors, tu me récupères ça, t'es gentil. Et je suis mort. Tant mieux en même temps, comme ça je vais pouvoir récupérer un mini Mario. Parce qu'il me semble que... Enfin, je vois pas comment il est mort en fait. D'accord. En fait, ils ont sûrement dû péter avec l'explosion. Allez, allez, on monte, on monte, on monte. Voilà, allez, on continue à monter. Oh, purée. Allez. Voilà. Hop. Le haut. Oh non. Eh, hey, j'étais dessus, là. Fouh. Allez, petit bob-bombe. Eh non, mais attendez, c'est quoi ce délire? J'ai rien pigé. Pourquoi je passe à travers? Enfin, j'arrive pas à le porter. Allez, hop, reculez les mini Mario. Voilà, merci. Hop, avancez vite. Toi, tu t'en vas. Et vous, vous montez vite. Voilà, hop. Hop, allez, le haut. Ah, parce qu'il y a le Y aussi. J'avais un peu oublié le Y. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Voilà, comme ça, je les libère. Hop. Voilà. Là, il faut que je remonte pour que ils viennent ici. Hop, le Y. Moi, je rappuie sur ça. Hop, merci les mini Mario. Allez, hop, on se dépêche. Ah, quoique, ouais, moi aussi, je peux plus passer sinon. Allez, hop. Oh non, je l'avais. C'est les mini Mario qui m'ont bloqué. Là, là, j'essaye pas de me trouver une excuse. C'est les mini Mario qui m'ont bloqué. Horrible. Bon alors, hop. Tac. Venez, venez, venez. Voilà, allez, on se dépêche. Ah ouais, c'est vrai, faut que je passe par le haut. Hop. Non ! Vous allez voir, je vais perdre toutes mes vies là.
Ah, ça commence à me gonfler là. Hop. Ici, allez. Hop, ça c'est fait. Toi, tu dégages. Hop, le haut. On se grouille. Hop. Donc maintenant, récupérer celui-là pour libérer. Non. Si c'est trop long, je ferai une ellipse. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite. On se rejoint tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde. Donc vous voyez que je viens de réussir. Finalement, en fait, c'était le même essai hein, où j'ai coupé. Hein. Mais voilà, ça vous a épargné, comme vous avez vu le principe. Donc vous aviez vu le principe, je me suis dit que ça servait à rien de vous le refaire montrer. Donc on attaque Donkey Kong, le Donkey Kong le plus dur de tous les temps. Je vous jure qu'il est horrible. Parce qu'avec le bouton pressoir, en fait, il va échanger les tapis. Et il nous lance des bob-bombes. Et vous avez compris, le but, c'est de lui envoyer les bob-bombes dans la tronche. Sauf que, comme les tapis changent tout le temps, eh ben, c'est pas facile de s'y retrouver. Oh purée! Mon ordinateur qui fait des siennes. Voilà, ça c'est fait. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'attende ici. Hein. D'accord. Moi, je t'ai eu. Oh non, hé. Oh non, purée. Casse-toi, Mario. Voilà, merci. Bon, là, j'ai peut-être une chance avec celui-là. Non. Ça sert à rien. C'est vraiment le boss le plus dur que j'ai jamais vu. Oula. Voilà. J'ai perdu. Donc on recommence. Hein. Pire, je fais pareil. Hein. Je referai une ellipse. Parce que voilà, on va pas passer notre vie sur ce boss. Non plus. Hein. On a autre chose à faire. On a entre autres le dernier monde à faire. Voilà, il m'a déjà enlevé une vie, il est content. Il allait péter celui-là. Oh non! Allez. Oh non! Purée! Il a changé les tapis au dernier moment. Alors en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est réussir à monter une bombe tout en haut. Et attendre qu'il me balance une autre bombe. Non, purée, il fait chier à changer les tapis comme ça. Oula, en plus je rame. En plus je rame. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse. Hein, et puis je vous reprends quand je l'ai battu, vous avez vu le principe. Donc on se reprendra tout de suite après. Et re tout le monde. On est toujours contre Donkey Kong. J'ai perdu... Enfin, j'ai fait un game over. Tout simplement, donc j'ai dû me retaper l'épisode des mini Mario, parce qu'on ne peut pas accéder directement à Donkey Kong. Et là, on est vraiment sur le truc de fin, enfin, la bataille finale, là, ultime. Il me reste deux vies, deux essais,
enfin un essai plutôt. Et lui, il lui reste une vie. Donc c'est la bombe décisive. C'est reparti. Et merde. Et zut! Alors j'ai trouvé une bonne technique pour l'avoir. Mais là, sur la fin, il envoie trop de bob-bombes, c'est pas possible. J'ai trouvé une bonne technique ainsi. Hein, donc là, il va envoyer un bob-bombe normalement sur la droite, voilà, gagné. Donc hop! Hop là, hop! Tiens! Bon, je vais attendre ici. Ah zut! Ah, et non, non, ça c'est pas du jeu. Dégage, dégage, purée, il m'a eu. C'est peut-être pas bombe. Tiens. Tiens, les traces de vie, moi aussi. Non, t'as pas le droit à ça. Tiens, il reste une vie aussi. Macaque. Non. En fait, si vous voulez, si j'arrive à sauter sur la dernière bombe et que j'arrive à la choper directement, je pourrais lui renvoyer. Je pourrais l'enchaîner. Mais là, c'est chaud, quoi. Chaud cacahuète. Donc là, bah, on va attendre. Hein. Tiens, les dunes. Voilà, ça que je voulais faire en fait. C'est choper la bob-bombe. Purée, non, t'as pas le droit. Tiens. On va essayer de choper celle là-bas, j'allais dire, mais non. Ce qu'il faut, c'est que je chope celle-là, voilà. Oui, alors là j'ai plus de chances de l'avoir. Oh, c'est fini là. C'est fini pour moi. Yes. Elle était belle la dernière. Oui, allez, va-t'en. Bon, 2000, c'est déjà ça. Super Mario, good job. Bon, bah voilà, on en a fini pour ce cinquième épisode de Mario vs Donkey Kong. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit au revoir et à très bientôt pour le monde final de Mario vs Donkey Kong. Allez, je vous dis portez-vous bien et puis à la prochaine.